Seigneur, par ma force, je ne peux pas. Mais par ton esprit, je peux. Et je crois que le miracle est effectif. Jesus Christ. Ma grand-mère est au nom de Bronosikanara. Maintenant. Maintenant. Le mal est en train de partir. Maintenant, l'enfui est en train de disparaître. Tu vas sentir une force entrer dans ton pied. Et la démonte Jesus. Quand j'ai prié, j'ai vu l'ange de Dieu qui a touché ton pied. Ils ont mis une grosse pointe dans ton genou. Ils ont percé ici, ils ont percé là. Ils ont mis une grosse pointe dedans. C'est comme si le piège t'a pris en sorcellerie dans le monde mystique. Dans la pièce, le piège pardon, qui t'a pris a bloqué. Mais là et là, vous savez que tu ne peux pas te manifester. C'est très difficile. Même pour faire comme ça, c'est difficile. Tu comprends? Mais là, je vois, et vu que l'ange a enlevé les deux pointes, tu ne sentiras plus de douleur. L'enfui va descendre seul. Et c'est fini. Trois jours, il n'y a plus d'enfui. Mais tout à l'heure, tu ne sentiras plus de douleur. Tu ne marcheras plus à l'époque. Tu crois? Father, I thank you for this miracle. Comme ça, même le micro. Non. Il n'a jamais fait comme ça là. Non. Vous le soulevez toujours. Toujours. Et la béquille, il soulève le pied comme ça, il fait un premier pas. C'est pour ça que tu fais toujours. Il n'arrive pas à réduire le pied. Maintenant, tu as